Gulli présente. Ah bah ça se corse que t'arrives toi. Voilà quoi. Qu'est-ce qu'il dit, j'entends rien. Non, je disais juste que j'étais désolé, esprit de la boîte, d'être en retard, mais j'arrive pas à enlever ce casque en Eh ben voilà. Quand je te dis que t'as pris la grosse tête. Oh bah c'est malin, on a rien à voir quoi. Allez, générique. Faut que j'aille chez le coiffeur moi. Là, il y a du monde aujourd'hui sur le plateau et je suis sûr qu'il y a du monde à la maison aussi. Comment ça va, public? Écoutez, c'est reparti pour une nouvelle émission d'In The Boîte, le jeu où l'Union fait la... Allez, salut public, allez, ça fait plaisir de vous voir. Et salut. Hey, mais nous avons un public de hard rocker. Avec qui on joue, Esprit? Aujourd'hui, nous jouons avec la famille Roland en vert. Dominique, ornithologue, est venu avec son fils Mathis, nageur, et avec un ami Romain qui rêve d'avoir des yeux laser. Ils ont 11 ans tous les deux. Mathis, Romain, Dominique, la belle équipe, la boîte noire, tu peux avoir peur, nous sommes des vainqueurs. Ouais! Des menaces pour toi, Esprit de la boîte, ouais. En face, la famille Brion en violet. Emeline, la maman énergique, accompagne sa fille Madeline Cavalière et son neveu Florian, footballeur. Ils ont tous les deux 11 ans. Je brille, nous brillons. Y prie, nous prions et nous allons jouer tous ensemble. Nous jouerons avec la première manche. Mais avant, regardez ce pourquoi vous jouez. Pour se retrouver en famille, une semaine dans l'une des destinations de notre partenaire. Bon, Emeline et Dominique, j'espère que vous adorez faire le show. J'espère que vous n'avez jamais le trac dans votre vie. Car aujourd'hui, sur le plateau, il va falloir tout donner, comme de véritables acteurs. Comme George Clooney, à qui vous ressemblez, tout à fait. Eh oui. À George ou à Clooney? Bah plutôt à George. Ouais, non mais Clooney aussi, hein, le côté café, tout ça, ouais, c'est mieux quand même aussi. Hein. Et vous, vous ressemblez à Julia Roberts? Non mais c'est vrai en plus, hein. C'est vrai? Ouais, autant George Clooney, on n'y était pas, mais autant... non mais vraiment, quoi. Donc je plus à Robert qu'à Julia. Mais est-ce que tu comprends pourquoi t'as pas de petite copine, esprit de la boîte? Tu manques de tact. Tu te rends pas compte, mais tu manques de tact. Non, Julia Roberts, tout court. Merci. Est-ce que vous êtes prêts? Prêt. Oui. À vous affronter au mime? Alors venez vous mettre en place. Les parents, aujourd'hui, vont s'affronter. Les sportifs, ah, ils y vont en cours. Vous aurez 10 secondes chacun votre tour pour faire deviner le mot. Soyez rapide. 1 minute 30 au total. 100 points par mot découvert. Et c'est vous, Emeline, qui allez commencer. Honneur aux dames, honneur à Julia Roberts. Prête? Prête. Top, c'est parti. Premier mot, 1 minute 30. Des instruments de musique? Une trompette. Oui, bonne réponse. Violoncelle? Non. Violon? Oui, violon, bonne réponse. Une flûte traversière. Bonne réponse, une flûte. Batterie. Non. Tambour. Yeah, c'est presque ça. Ça commence et après il y a un petit mot. Tambourin. Oui, bonne réponse. Triangle. Bonne réponse. Eh ben, ça y va. Hein. Claquette. Non. Maracas. Non. Alors pour vous aider, ça finit comme le premier, en hête. Ah, ça vous a pas aidé. Castagnette. Tambour. Batterie. Batterie. Bonne réponse, ouais. Emeline. Bien joué, les brillons. Batterie. Non. Tambour. Ouais, bonne réponse, les Roland. Ça se complexifie. Une trompette. Non. Saxophone. Non, là, on voyage un peu, là. On voyage. Ouais, c'est, truc c'est quoi, là? Une cornemuse. Oui, bonne réponse. Harmonica. Ok, pour harmonica. L'harmonica. Je prends l'harmonica. Attention. Oh là, dur. Musique classique, bonsoir. Un violoncelle. Non. Une contrebasse. Oui, oh oui, bien joué. Batterie. Non. Tambour. Non.
Les enfants y jouent, hein. Alors là, c'était pas facile. C'était xylophone. Et alors moi, j'ai adoré quand tu dis le mot harmonica, qui ressemble dans ta bouche à un ronimica. J'adore. Non, c'était pas mal, hein. Vous avez assuré, les parents. Esprit de la boîte, tu pourras pas dire le contraire. Les Roland font pipi dans un violon. Oh, bah, 600 voilà. À 400 pour les brillants. Bon, allez, 200 points d'écart, c'est rien du tout. Vous pouvez regagner vos zones de jeu. Dominique et Emeline, qui ont brillé par leur talent. Vraiment. Et on enchaîne avec le quiz des familles. Vraiment aussi. Et alors aujourd'hui, attention, car c'est un petit peu un combat de région, car les Brillons viennent du Nord. Ouais ! C'est bon, c'est bon, c'est bon. Et les Rolands viennent de Haute-Normandie, attention. Et là, je sens qu'il y a du monde devant la télévision, là. Là, c'est le combat des régions, ça va être chaud. Est-ce que vous êtes déjà allé au Canada ? Non. Non. Jamais. Non. Est-ce que vous aimeriez aller au Canada ? Oui. Oui. Eh bien, écoutez, je vous propose de voyager avec la première question de ce quiz. Direction donc le Canada. Chaque hiver, au Canada donc, on peut dormir dans des hôtels éphémères entièrement fabriqués. En blocs de glace, en sapin de Noël ou en bulles de chewing-gum. Les Brillons ? En blocs de glace. On valide. On valide. Vous êtes sûr de vous ? Oui. Oui. Comment vous savez ça puisque vous n'êtes jamais allé au Canada ? Logique ? Je sais pas. Et quelle logique ? Bah, il fait froid. Froid là-bas. Et bah alors en sapin de Noël, c'est quand il fait froid aussi ? Aller faire des hôtels éphémères en sapin de Noël ? Bah attendez, il y a quand même des sapins qui sont balèzes ? Non. Bloc de glace. Pas assez balèze pour rentrer des gens ? Non. D'accord ? Et en bulle de chewing-gum, ce serait hyper moderne. Oula ! Ouais, c'est vrai dur qu'il faudrait, il faudrait beaucoup mâcher. Eh ben écoutez, c'est une mauvaise réponse. Bah ouais, comme quoi la logique, hein. C'était en bloc de glace. Ah oui, je suis joueur aujourd'hui, hein. Je suis joueur un peu aujourd'hui quand même, hein. Et les Roland, ça veut dire quoi le R sur vos t-shirts bleus, là ? Roland. Ok, super. Je vais arrêter de poser des questions, moi, aujourd'hui, hein, parce que là... 200 points pour les Brillons qui ont brillé. Allez. Question suivante. Quelle petite fille modèle fête ses 60 ans en 2014 ? Fantomette, Martine ou Nabila ? Non mais allô ? Martine. On valide. Martine. 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 Martine, l'héroïne de bande dessinée ? Oui. Vous en avez lu ? Non. Oui, bien sûr. Vous avez lu lesquelles, vous ? Aucune. À la plage, à la ferme. Tout ça, quoi. Dans les blocs de glace. Dans le maroilles. C'est une idée. On n'a jamais fait Martine dans le maroilles. C'est dommage, hein ? Non, tu fais les ch'tis. Eh, ça, ouais, eh, jamais ça a été fait. Non, non mais c'est vrai, hein. Eh, ça schmouque, hein, dans le maroilles. Next. Bonne réponse. Ouais ! Et oui, la première histoire de Martine, qui était Martine à la ferme, est apparue en 1954. Fantomette est née, elle, en 1961. Bien joué, les Brillants de Saint-Paul. Bon, hé, les Rolands, là. La Haute-Normandie, là. On y va. Et le public, il est même plus avec vous, là. Il dorme. Il dorme, là, voilà. Ouais. Soyez un petit peu plus rapide sur les buzzers. Début 2014, qu'est-ce qu'un médecin australien a retiré de l'oreille d'un patient ? Un cafard, un petit doigt, bouh, ou un piano ? Les Roland. Un cafard, on valide. C'est beau. Voilà. Pourquoi un cafard ? C'est un petit doigt. Parce que ça aime bien se licher dans les oreilles, les cafards. Non mais vraiment ? Oui. D'ailleurs... Parlez pour vous, hein. Oh, et oh, 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 oh. Vous avez déjà eu un cafard dans l'oreille ? Non, moi non. Mais vous avez déjà connu des personnes qui avaient des cafards dans l'oreille ? Connaître, non, c'est un grand mot, connaître. Bon, peut-être que déjà vous avez entendu parler d'un médecin australien qui aurait retiré d'une oreille un cafard. C'est ça. Eh ben, c'est une bonne réponse. Non, mais c'est horrible ! C'est horrible ! Non, mais il devait vivre dans une maison horrible, avec plein de cafards. Qui a des cafards à la maison ? Bah, mentez pas, on est entre nous. Personne regarde. Qui a des cafards à la maison ?
Maman, je crois. Bon, non, je suis tout seul. Bon, alors, ok, super. 200 points supplémentaires pour les Roland, donc, du coup, grâce à ce cafard dans l'oreille de patient. Et nous passons à la question à la. Pas besoin de buzzer, 10 secondes pour vous concerter. Ensuite, vous me donnerez chacun votre tour votre proposition et vous marquerez 200 points si vous donnez la proposition la plus proche de la réponse exacte. En moyenne, combien mesurent les Françaises aujourd'hui? Et si vous faites un tout pile, c'est 500 points. Les brillons. 1m65. On valide. Oh, je voulais dire. 1m65. Vous, Emeline, vous mesurez combien? 1m70. Ouais, mais en... dans le Nord, on est grand. On est grand. On est plutôt grand. C'est le Maroilles. Et le Maroilles. Moi, j'adore ce fromage, hein. Ah, ça pue. Bah, c'est juste qu'après, ouais, tu pues même. C'est même pas que le fromage pue, c'est toi. Après, ça le problème. Pas pour la bouche. Ah, pff, tu m'étonnes. Les Roland. 1m67. 1m67. Donc, plus grande. Oui. Très bien, Dominique. Eh bien, écoutez, il n'y a pas de bonne réponse. Mais les plus proches sont les brillants. Ouais, la moyenne des Françaises étant d'1m63. Mais alors, ouais, parlons un petit peu poids. La moyenne du poids, c'est 63 kilos. Ce qui est pas mal quand même, 1m63, 63 kilos, c'est assez équilibré quand même, hein, quand on y pense. Et alors, les garçons, c'est 1m75 la moyenne. On est petit? Ouais, on est petit, ouais. Mais on pèse 77 kilos, c'est-à-dire qu'on est petit et balèze. Bah non, mais oui, mais c'est les Français quand même, esprit de la boîte. Les brillons sont brillants, 1200 à 600 pour les violets. Ok. Bon, les Roland, vous perdez pas espoir. Vous allez vous refaire maintenant. Bien sûr. Vous allez reprendre des points. Bah alors. Jusqu'au bout. Oui. Alors c'est parti pour le challenge des enfants. Et regardez, le plateau s'est transformé en un véritable océan de boules ici avec un vieux pirate qui dessèche. C'est le producteur de l'émission, comme vous pouvez le voir. Il va pas hyper bien hein, depuis ce temps-là. Et s'il y a un océan de boules sur le plateau, c'est que les candidats vont s'affronter à la chasse au trésor. Pirate, on veut de l'argent, olé ! Et ouais, on veut de l'argent. Du coup, les candidats vont devoir plonger dans l'océan et récupérer des bourses d'argent. Les corsaires, venez vous mettre en place. Allez, gars. Et on y va. Attention, 1 minute 30 pour récupérer un maximum de boules, vous allez voir. Ne vous faites pas engloutir par l'océan de balles. 3, 2, 1, top chrono, c'est parti. Allez, vas-y, Baptiste. Allez, Florian. Plonge, plonge. Allez, vas-y. Plonge. Allez, faut plonger, c'est bien dit ça. Ça, c'est bien dit ça. Allez, 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 on y va. Allez, Madeleine, plonge. Il faut y aller cash là-dedans. Allez, hop là. Allez. Ouais. Et voici la première bourse et la deuxième qui vient de sortir. Les Normands s'en sortent bien. Mais les ch'tis aussi, regardez. Allez, hop, 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 et voici la bourse. Bravo. Bien joué. Et hop là, égalisation hein, partout. Il y a des bons pirates, mais il y a des très bons pirates du côté des ch'tis. Deux bourses. On sent qu'ils aiment bien l'argent. Aïe, 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 aïe. Ah, là, ta, 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 ta. De l'or, de l'or, de l'or, de l'or, ça pique les doigts. Money, money. Allez, vas-y, continue, allez, vas-y, c'est bon. Allez, allez, ça pousse, ça cherche, ça... très bien. Va dans le fond, Baptiste, va dans le fond. Allez, go, 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 go. Allez, là, faut gratter, faut fouiller, faut y aller. Vas-y, à fond, Romain. Faut mettre la tête dedans. Allez, cherche dedans. Allez, là, on fouille, on fouille, on fouille. Vas-y, vas-y. Ah là 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 là, les ch'tis prennent l'avantage là. Matisse dans le fond. Allez Matisse, il faut qu'il plonge là. Va dans le fond Titi, va dans le fond. Allez, dans le fond. Il reste 7 secondes, 7. Matisse dans le fond. 7, c'est possible. Matisse dans le fond. Allez les gars, on y va, on lâche rien. Allez, eh ben écoutez, vous pouvez rester dans le bouillon, hein. Je vais compter tout seul, vous inquiétez pas. Alors, allez, venez voir, du côté des ch'tis, nous avons une bourse, deux bourses et trois bourses. Du côté des Normands, nous avons une bourse
Et deux bourses, esprit de la boîte. Le bateau pirate des Rolands est en train de couler. 1500 à 800 pour les brillants. Bon, eh bien, les pirates, vous pouvez regagner vos zones de jeu pour le quiz des enfants qui vous attend. Mais juste avant, bien entendu, il y a ça. C'est parti, à tout de suite, bien sûr. La Soca Dance, alors ça c'est une vieille musique, hein. On est ravis de vous retrouver sur le plateau d'In The Boîte pour la finale, enfin la demi-finale, le quiz des enfants pour l'instant. Je ne vous cache pas que les brillons, les ch'tis sont devant avec 1500 points. Ouais. Mais je ne vous cache pas aussi que les Normands, bon, galèrent mais ont le sourire et y croient encore. 800 points pour les Rolands. Allez, on y va, hein. Bien sûr, ils ont raison d'y croire, puisque vous le savez, dans In The Boîte, rien n'est jamais gagné. D'autant plus que tout peut se jouer maintenant, beaucoup de points à prendre, beaucoup de points en jeu pour ce quiz. Vous êtes entraîné à la maison, Mathis, Romain? Oui. Vous êtes calé? Oui. Vous êtes super fort à l'école? Oui. Vous êtes ce qu'on appelle des tueurs? Oui. Votre moyenne, c'est combien en ce moment? Moi, c'est 16,45. Ça, c'est bon. Et toi? 19,50. Ça, c'est très bon. Ça c'est très 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 bon, ça c'est très très bon. Et vous les filles? Enfin non, pas que les filles. Non mais moi je m'enflamme. Et toi Madeleine? Moi j'ai 17,4. Ça va. Et Florian? 15,3. Alors je vous rassure, à la maison, si vous voulez venir sur le plateau, vous pouvez même avoir en dessous de la moyenne, hein. Y a pas de problème, y a pas de problème. Hein. Mais oui, regardez Johan. Voilà, moi je m'en suis toujours sorti honorablement, mais voilà quoi. Bon, très bien, les brillons. Les Rolands, je vais vous poser une liste de questions. Vous aurez 3 secondes pour répondre chacun votre tour. 200 points en jeu par bonne réponse. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Florian, c'est toi qui commence? Oui. Est-ce que tu es prêt? Oui. Top. Le vrai prénom du chanteur Garou, Pierre ou Lou? Pierre. Bonne réponse. Il s'appelle Pierre Garand. Romain. Au hockey sur gazon, on porte des chaussures à crampons ou de patineur? À crampons. Ben oui, bien sûr, comme au football, pour bien tenir sur le gazon. Madeleine, le roi des singes dans le livre de la jungle, un gorille ou un orang-outan? Un gorille. Et non, c'est un orang-outan, c'est le roi Louis. Mathis, dans les jeux vidéo, l'arme favorite des lapins crétins, le sèche-cheveux ou la ventouse? La ventouse. On sent l'expert en lapin crétin. Florian, on peut acheter des plantes carnivores chez les fleuristes. Vrai ou faux? Faux. Eh ben c'est vrai. Oh. Romain, dans My Little Pony, Spike le dragon est Red Dingue, de Twilight ou de Rarity? De Twilight. De Rarity, comme le R que vous avez sur votre maillot. Madeleine, le nouveau billet en euros qui circulera en 2014, 10 euros ou 30 euros? 10 euros. Bonne réponse, Mathis. Le doigt du gentil extraterrestre E.T. qui devient tout rouge, le majeur ou l'index? Le majeur. Et non, c'est l'index, il s'allume. Florian, Rocky dans la série Shake It Up, fille ou garçon? Fille. Oui, c'est le surnom de Raquel. Romain, il y a autant de calcium dans le lait écrémé que dans le lait demi-écrémé, vrai ou faux? Faux. Bah c'est vrai, il y a juste moins de gras. Madeleine, il a régné sur la France et l'Allemagne au Moyen-Âge, Vercingétorix ou Charlemagne? Charlemagne. Ouais, bonne réponse. Mathis, une robe Vichy sera forcément à fleurs ou à carreaux? À fleurs. À carreaux. Ouais, ça fallait le savoir. Hein. Florian, dans la BD Gnome de Troie, le petit frère de Bastor s'appelle Couillalère ou Cunu? Couillalère. Tout à fait. Romain, les mots auto et bagnole sont des homonymes ou des synonymes? Des homonymes. Ah bah non, c'est des synonymes, ça veut dire qu'ils ont le même sens. Madeleine, selon la tradition, pour Halloween, on se déguise plutôt en araignée ou en Spider-Man? En araignée. Oui, bonne réponse, car on doit faire peur. Mathis, l'auteur de l'Odyssée s'appelle Homer ou Bart? Homer. Bonne réponse. Bravo, 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 bravo. Les Rolands, 3 bonnes réponses quand même pour ce quiz. Vous avez 1400 points. Les Brillons. Ah, les Brillons. Ah bah oui, hein, les Brillons. Vous voulez le verdict ou pas? Oui. Bah oui. D'abord, je vais vous parler de ma grand-mère et le maroilles. Oh non.
Non, les Brillons, vous avez donné 6 bonnes réponses. Ouais, ouais, ouais. J'ai failli. Et avec 2700 points, c'est vous qui irez affronter la boîte noire. Madeleine, Florian et Emeline. Les Roland, ça va? Ça va. Vous avez passé un bon moment? Très agréable. Vous voulez passer un petit bonjour? Bonjour à toute la famille et à la Haute-Normandie, bien évidemment. Et toute la Haute-Normandie qui vous a soutenu, bien entendu, tout ce jeu. Et voici vos cadeaux. Des entrées pour toute la famille pour l'aquarium de Marne-la-Vallée, le Robert Illustré et son dictionnaire internet, le collège numérique, sans oublier la boîte de jeu In the Boîte, offert par nos partenaires. Allez, Florian et Madeleine, c'est parti pour la finale. 3 minutes pour aller chercher le trophée. Avant de commencer, un petit mot à l'esprit de la boîte. Allez-y, lâchez-vous là. Tu peux avoir peur, Biloute. Biloute. Tu feras attention de ne pas marcher sur ta langue. Mais n'importe quoi, mais c'est pas possible ça. Bon, allez, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Madeleine, derrière le pupitre, quant à toi. Sois extrêmement rapide. N'oublie pas d'appuyer sur le buzzer, si tu le trouves, ouais, pour gagner 10 secondes supplémentaires. Est-ce que tu es prêt? Ouais. Et check, 3. Check, re. 2, recheck. 1, check encore. 0, top. Tout droit. À gauche, dans le tunnel. Continue tout droit. Ouais. Tout droit. Là, tout droit, là. Tout droit, après. Tout droit, à droite. À droite, là. À droite. Attends, ouais, alors, à droite. Ce à serait droite. Bien de gagner parce qu'il me semble qu'il n'y a à aucun ch'ti qui a gagné là. Une deux boîtes. Ah, là, au-dessus. Non, mais c'est vrai, hein. Ce serait bien aujourd'hui que des ch'tis remportent. À droite? Oui. Là, il faut descendre. Moi, j'y crois. Après? Ouais, tu continue, peux y aller. Continue tout droit. Ouais, ouais, vas-y. Tout droit, c'est bloqué. Maintenant, là, tu vas à gauche. Droite. À gauche. Ouais, il y a un petit passage là. Il peut y aller. Allez, hop là, à tête gauche. La première. Ouais, après. 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 À droite? Là, à là. Droite, là, oui. Là, il y a les élastiques. À gauche. Allez, à gauche, allez, à droite. Ouais, ouais, c'est là, c'est là, c'est là. Aux élastiques? À ouais. Gauche. Ok, aux élastiques. Aux élastiques. Allez, bien, c'est Florian, là, allez. Super. Tout droit. Continue tout droit. Ouais, mais là, il y a les élastiques. Attends deux secondes. Hein. C'est compliqué, les élastiques. En arrière, c'est pas mal. Tout droit. Non, mais tout droit, il y a une vitre. C'est bon, vas-y, continue. C'est sur sa droite, là. Sur à sa droite. Droite. Ah, tout droit, là. Ok, va tout droit. Vas-y, c'est ça, oui, tout droit. C'est bien. Attends, là, il y a plein d'élastiques. Vas-y, Flo. Alors, je me demande si l'esprit de la boîte ne resserre pas les élastiques en cachette, en fait. Vas-y, continue tout droit. Par au-dessus, Florian. Par-dessus. Continue, vas-y. Oh, le pauvre. Ah bah oui, mais là... Par-dessus. Allez, il faut qu'il y aille, là. Allez, il faut tout péter. Vas-y. Faut tout péter, là. Allez, faut y aller, là. On y va. Par au-dessus, où? Non, Flo, va à droite. Là, voilà. Vas-y. Je suis prêt. Maintenant, tu vas à gauche. Oh. Attends, mon truc, il s'est bloqué là. Là, tu vas à gauche. Oh là 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 là. Mon truc, il se bloque. Défais-toi des élastiques. Ta tête. Abaisse-toi. À gauche. À gauche. À droite. À droite. Là, là, je vais tout. Oui, là. À droite. Allez, hop là, c'est bien. Tout droit, vas-y, continue tout droit. Dépêche-toi, tout droit, toujours. Allez, vite pour l'instant. Allez, faut tracer là, faut tracer. Allez, go, 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 go. Tout droit, non, à droite. Là, là. Tout droit, vas-y, là, tu te dépêches tout droit. Allez, allez. Encore tout droit. Le passage au-dessus, allez, allez vite. Allez, vas-y, Flo. Tout debout, tout droit, toujours. Bon, là, il y a plus rien à perdre, faut y aller. Hein. Cours, allez. Cours. Tout droit, cours, dépêche-toi, Flo. Ouais, ouais, c'est tout alors, droit. Alors, un conseil, peut-être, prenez les 10 secondes là, le buzzer. Le buzzer, le buzzer, le buzzer, le buzzer, là, il l'a. Là, là, là. Le buzzer là, là. Ouais, sur le fil. Ok, c'est bon, 10 secondes de plus. Allez, c'est bon. C'est jouable, allez, c'est jouable, c'est jouable. Allez, allez, il allez, a fait les 10 secondes, vas-y. Allez, dépêche-toi vite. Oui. Flo, vas-y. En bas, en bas, en bas. Non, allez, après, 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 après. Allez, 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 allez. Vas-y, vas-y, Flo. Allez vite, Flo. Oh non, c'est pas celui-là. Vas-y, Flo. Allez, Flo. Allez. Allez, Flo. Vas-y, vite, dépêche-toi. Allez. Allez, Flo. C'était le numéro 4. Oh, il était dessus, il l'avait. Oh, je suis déprimé. Eh ben, c'est pas aujourd'hui qu'on aura des ch'tis qui remportent In The Boîte. Dommage. Non, mais je suis dégoûté. Je suis dégoûté. D'un autre côté, vous avez vraiment été bien. À 10 vous avez été bien. Ouais, allez, même pas à 10 secondes, à 5 secondes. Regardez le week-end que vous avez gagné. Pour se retrouver en famille, un week-end dans l'une des destinations de notre partenaire. Ouais.
T'étais dessus, c'est un truc de fou. C'était à ça, c'était à ça. Bon bah écoutez, rentrez bien dans le Nord. Et n'hésitez pas, revenez quand vous voulez sur le plateau, d'accord? Oui. Super, et si vous aussi voulez venir ici affronter l'esprit de la boîte dans sa boîte noire, www.gulli.fr, on vous attend. Et je vous dis à très vite sur Gulli, évidemment. Ciao. Rendez-vous la prochaine fois pour ma victoire écrasante. Tes héros préférés te suivent partout.